Et salut à tous les amis et bienvenue sur un nouvel épisode d'Immersion. Ouais. Ah, alors aujourd'hui on va faire un truc assez original. Vous allez voir, alors je me remets en vue normale. Voilà. Oh là là, c'est tellement du bonheur de se retrouver sur ma petite île. C'est mon île. Donc, alors, oh, il pleut, oh, c'est la tristitude. Eh ben, tant mieux parce que ça va nettoyer un petit peu le quartier où on va aujourd'hui. Parce que je peux vous dire que ça chlingue. C'est spécial, donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, vous allez voir, on va profiter de cette promenade, on va aller. Oh, puis c'est bien de se promener pour une fois, allez. Normalement, je fais toujours ça par des bonnes conditions, quand il y a du soleil, que les petits oiseaux chantent et tout. Eh ben, pour une fois, on va se faire ça, le démarrage seulement, parce qu'après la pluie, ça va bien 5 minutes. On va se faire ça à un endroit qui est un petit peu perdu. Vous voyez, on vient de traverser un quartier pauvre et pour cause, il est le long des murailles. Et si on continue le long des murailles ici, on va arriver à un petit endroit un petit peu perdu. Il y a l'abbaye qui est un petit peu plus haut là-bas. Donc là, on va faire un chemin. Je vais laisser un chemin de passage en bas, hein, le long des murailles. De toute façon, il y en avait vraiment très très souvent pour que bah, tout le monde puisse circuler, bien sûr. Et là, ça va s'élargir, mais à peine. Moi, je pense que je vais faire quand même un petit peu de terrassement donc dans toute cette zone-là. Et on va faire un quartier des tanneurs de cuir. Hein. Donc effectivement, il n'y en avait pas forcément dans tous les villages, mais dans les grandes villes, on pouvait retrouver un quartier des tanneurs, donc vraiment dans les très très grandes villes. Et du coup, les amis, on va aller se coucher parce que là, il fait vraiment très moche. J'ai mon armure qui va rouiller. Donc du coup, on va commencer à préparer le terrain un petit peu à tout cet endroit-là, donc qui est près de la porte du village des pêcheurs, qui est là avec le château juste derrière. Et on prépare le terrain et c'est parti, mon kiki. Eh ben dis donc, on parle d'Olécube, mais je peux vous dire que sur Immersion, ben, il pleut beaucoup plus que sur Olécube. C'est sans arrêt, on est obligé de faire. Enfin, quand il fait nuit, ben, on a la chance de pouvoir pa faire passer la nuit, mais là, non. Alors, donc, c'est pas grave, on va travailler sous la pluie, qu'est-ce que je vous dis, hein? Donc, on va attaquer, là, maintenant, le quartier des tanneurs, les amis. Alors, attendez, je refais quand même un petit peu le terrain. On va reprendre un petit peu. Ah non, je me suis vidé, c'est vrai, dans le coffre qu'il y a là. On va reprendre quand même des petits machins. Voilà, on va faire un petit accès à cet endroit-là. Hop, voilà. Pourquoi? Parce que ici. En fait, on va faire plein de cuves hein, dans ce quartier des tanneurs. Donc, c'était souvent hein, des cuves. Au Moyen-Âge, on a retrouvé hein, pas mal. Même, par exemple, du côté de Troyes, on a retrouvé beaucoup, beaucoup d'anciennes cuves hein, de tanneurs. Et c'était des cuves en terre. Hein, donc, bon, elles étaient recouvertes hein, quand même d'osier tressé ou d'écorce de fond de chêne. De chaînes au fond, etc. Enfin, ça, c'était pour le tanin. Et donc, du coup, ce que je vais m'amuser à faire, c'est un peu ça. On va faire des genres de cuves comme ça. Alors, pas très grandes. Hein. On va en faire des petites cuves comme ça, dans ce style. On va en faire plein. Je vais en creuser plein partout, là, tout le long, que je vais aménager avec du bois. Je vais vous montrer comment. Alors, les côtés en osier, on peut pas les faire. Dans Minecraft... ou éventuellement avec d'autres styles de bois. Ah, attendez, si, peut-être avec du bois. Voilà, bon, on va tricher. Alors, regardez ce qu'on va faire. Tiens, c'est peut-être une bonne idée, du coup. Ouais, ça, on va faire le fond comme ça, puis les côtés comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire le fond de nos cuves. Tac, 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 comme ça, voilà. Pouet, pouet. Ah oui, mais c'est vrai qu'ils sont arrondis. Ah bah, pour une fois que je voulais du plat. Ah bah, attendez, j'ai ma baguette magique. Et vive la baguette magique. Donc la petite baguette magique, alors pouet, 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 voilà, pour dire qu'on veut du plat. Et en fait, sur les côtés, on va mettre des trucs comme ça. Purée, ça va en nécessiter quand même pas mal. Mais on va se mettre... Là, par contre, je vais les laisser arrondis. J'aime bien le concept de laisser des trucs un petit peu arrondis comme ça. Je crois que l'eau passe pas au travers, hein, j'espère. Sinon, ça serait dommage. Voilà, je vais faire des cuves un peu dans ce style. Même par 4, ça ferait plus joli. Je suis en train de voir. Ah ouais, si c'est sympa par 4 comme ça. En plus, les troncs se lient comme ça, c'est plutôt sympa. Puis ouais, je sais pas ce que c'est que ces boucons qu'ils font là, c'est des squelettes. Ils font un bruit pas possible. Voilà, donc je fais plein plein de cuves dans ce style, les amis. Je les remplis pas d'eau, hein, c'est pas la peine. Parce que de toute façon,
Je suis pas sûr. Oh, j'ai perdu mon solo, tiens. Oh, c'est peut-être la dernière fois que je suis mort. Donc je fais des cuves comme ça tout le long, tout le long, tout le long. Hein, et on se retrouve juste une fois que j'ai terminé tout ça. J'entends des mouches. C'est étrange. Bon, évidemment, hein, pour faire des grands tonneaux et des trucs comme ça, eh ben il faut du chêne, les amis. Oh, et des pommes. Alors, bien sûr, bon, là, c'est bien, on a fait pousser pas mal. Donc, bon, je coupe du bois, du bois, du bois, du bois. J'étais en train de faire donc tous les réceptacles pour les pots. Et je me suis dit, tiens, 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 il faut du bois, dis donc, dis donc. Et c'est toujours sympa de se promener comme ça dans des environnements. Enfin, j'aime bien, j'aime bien. Puis, en plus, il arrêtait de pleuvoir. Enfin. Enfin, les amis, enfin. Je coupe du bois, je replante tout ça. Et on se retrouve à la tannerie, et pas à la tanière, moi. Ok, donc là on a tous nos bassins, une bonne partie des bassins qui sont là. Alors en fait, hein, c'est dans ces bassins-là, très souvent, hein, donc il y avait un mélange de cendres et un peu de temps de tanin. Donc, et en fait, ça servait pour retravailler le cuir. Alors déjà, tout ce qui était cendre et tout, hein, ils les faisaient tremper longtemps. En fait, c'était pour épiler tout ça. Hein, ils appelaient ça la dépilation même, je crois, au Moyen Âge. Et par contre, après, il fallait nettoyer les peaux et donc il fallait de l'eau claire. Donc l'eau de mer, je suis pas sûr qu'elle convienne parfaitement. Donc du coup ici, vous voyez, j'ai fait un petit trou et en fait c'est vrai que dans la tour, on avait de l'eau qui arrivait ici, donc c'est plutôt une bonne chose. Et du coup, ce que j'ai envie de faire, les amis. Je pense que là, on va se faire une petite source. Une petite source qui va arriver à cet endroit-là. Juste là, là, comme ça. Alors par contre, ça va nécessiter... il va falloir quand même que j'aplanisse un petit peu le terrain. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, toute la partie qui est là, je vais l'agrandir. On va l'agrandir un petit peu, toute la partie ici, pour que les gens ils aient la place de bosser. Ah, faut être sérieux, là, quoi. Voilà, donc ils aient quand même un petit peu de place à cet endroit-là. Donc je pense que ouais, je vais agrandir un petit peu comme ça. Je vais faire une petite place honnête. Et puis on va commencer à rajouter des stands, etc. Hein, que les gens aient puissent travailler le cuir dans de bonnes conditions. Donc toute cette surface-là. Également, là je vais m'amuser à faire. Je vais aller chercher de la stone. Hein, donc pour faire quand même les abords un peu en stone. Et puis un endroit où effectivement il y a quand même un petit peu de plat pour que effectivement on ait quand même un petit endroit pour nettoyer les pots. Je pense que tout cet endroit-là, là, ça sera pas mal. En plus, il y a déjà du cuir, et puis on va faire une petite chute. Et puis on va dire qu'il y a une source qui va sortir à peu près d'ici. Hein, je pense qu'il y a donc une petite source qui va être là. Ça va le faire, moi je dis ça va le faire. Voilà, donc il suffit juste de déménager un tout petit peu ce truc-là ici. Hein, on peut dire que la source, elle va couler pas loin. Il y a une source qui va couler genre de par là. Alors attendez, on va faire ça comment? Ici. Là, je vais enlever un petit peu de dirt parce que ça fait un peu beaucoup à mon goût. On va mettre un peu là. Il faut refaire un petit peu, juste un tout petit peu de terrain comme ça. Tac, tac. Tac, tac. Et bien sûr, pas laisser de trou-trousse à des endroits indésirables. Voilà, comme ça ici, ça c'est bon. S'il n'y a pas d'Enderman qui nous pique, ça c'est bon. Donc là, on va faire un endroit comme ça. Tac, tac. Tac. J'en ai plus de stone brick. Bah oui, bah non, sinon c'est trop facile, bien sûr. Donc je vais en rajouter là, je pense que on va laisser un petit trou trousse là. Je vais aller rechercher de la stone brick et je vais sculpter un petit peu la source donc, qui va couler là tranquillou. Et puis je vais rajouter de la stone tout autour. Bon bah je m'occupe de ça les amis et puis on se retrouve une fois que j'ai fini cette petite partie. Ça coule, ça coule, ça coule, c'est parfait ça madame. Alors j'ai fait un petit cheminounet. Comme ça, qui passe ici, avec deux rondins de bois pour traverser, parce que, bon, à l'époque, hein, ils faisaient pas des ponts forcément extraordinaires partout, hein, bien sûr, au Moyen-Âge. Hein, des fois, deux gros troncs d'arbres, avec quelques planches, et ben ça faisait bien l'affaire, les amis, ça faisait bien l'affaire. Donc ici, alors, on a pavé, j'ai pavé un tout petit peu. Donc l'endroit, hein, ce qui est pas, ce qui est pas une obligation, mais j'ai pensé que c'était une bonne idée. Un sur pour tout, travailler des matériaux durs, etc. Bon, il faisait pas forcément tout par terre, mais voilà. Alors du coup, sur les côtés, on va se faire un truc avec du bois. Je vais rester sur le sapin. Alors, je vais peut-être pas mettre des troncs absolument partout. Je suis en train de réfléchir. Si je vais manger un peu plus. Je vais manger un peu plus, en fait, les troncs et les trucs, on va les mettre sur cette rangée, là, comme ça.
Voilà, histoire de faire une délimitation un peu comme on a fait avec les murs au-dessus. Mais je voudrais en faire une intermédiaire à cet endroit-là. Je pense que ça va être bien. Ici, c'est-à-dire qu'on va peut-être démarrer le début ici. Tac, tac, comme ça. Avec des troncs comme ça. On va en mettre un tous les 1, 2, 3. Et on va laisser 3. Puis on va laisser un tronc à chaque fois comme ça. Ça va faire plus joli. Cornemique. Oh, quoique. Pourquoi pas après tout. Ouais, non. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Voilà. Allez, comme ça, on va les mettre comme ça. Donc 1, 2, 3 de libre. Tac, tac. C'est des choses qui vont assez vite à faire. Donc je vais faire un petit peu de déco en fait à cet endroit-là. 1, 2, alors attendez, j'en ai creusé un tout petit peu de trop. 1, 2, 3 de libre. Ah oui, c'est parce qu'il faut que je creuse tout le long comme ça, c'est ça. Ouais, pour faire de la place, madame, on va faire de la place. Voilà, c'est pas mal. Donc du coup, là, on aura notre place. 1, 2, 3, pan, pan, 1, 2, 3, pan, pan, et 1, 2, 3, et pan, et ça, ça. Ça ira bien à faire. Puis le dernier, hein, pour passer le petit pont avec la petite rivière, la cascade. Vous voyez, un truc tout simple, c'est de rajouter beaucoup de stone. Alors là, j'ai fait un escalier simple, mais effectivement, on aurait pu rajouter à des petits endroits stratégiques, des petites pointes hein, qui dépassent un peu comme ça. Histoire de ne pas donner voilà, un effet trop trop quoi. Pas trop plat, pas trop Minecraftien, voilà, rajouter des petits pics comme ça, ça donne un petit effet sympa. Oh, je suis tombé dans l'eau, prod de biche. Et voilà, donc ça c'est valide. Donc du coup, je vais m'amuser à faire des petites cabanes, pas des petites cabanes en fait. Je vais mettre des petits endroits, des petits fauteuils, des petits sièges, des petits... en fait du brun, je vais mettre du brun un peu partout. Donc il y a des endroits comme ça, voilà, avec un machin par-dessus, qui un bol, qui un fauteuil, enfin vous voyez, des tas de trucs comme ça, un petit peu partout, tout le long ici. Au-dessus je vais rien mettre, hein. Ça sert à rien de mettre d'autres trucs. Alors par contre en fond on va prendre du spruce. Je vais pas en mettre de trop, mais quand même un petit peu, 48. Voilà, donc juste pour renforcer les, entre guillemets, les murs qui vont être là. Ça fera quand même. Alors, je suis pas sûr. Hein. Je suis même sûr en fait qu'ils ont jamais utilisé de bois pour faire des trucs comme ça. J'y crois pas trop, mais moi je trouve ça joli. Donc du coup, on se fait ça un petit mur en bois comme ça, etc., etc. Donc je m'occupe de rajouter plein de petits trucs un petit peu partout, les amis. Et on voit un petit peu la suite des opérations. Pom pom pom. Ah bah voilà les amis, donc j'ai fait un petit peu de déco un petit peu partout. Alors j'ai fait simple, hein. J'ai mis quelques bassines de rinçage, des trucs comme ça, ou pour faire des teintures avec des pots un petit peu partout pour les faire sécher. Ah c'est dommage, on peut pas faire comme les poissons on peut les mettre sous des barrières, et, mais les pots on peut pas. J'en ai mis un petit peu partout, hein, avec bon, des pots mal tannés, bon, en fait. C'est de la viande de zombie, donc qu'on met au sol, hein. Donc ça c'est des petits patterns qu'on utilise. Voilà, j'ai mis un petit peu de brun un petit peu partout comme ça. J'ai fait un petit espace aussi à cet endroit là vous voyez, j'ai aménagé un petit peu, hein, donc pour étaler des pots là, pour les faire sécher ici après trempage dans la rivière, ici pour bien les rincer une fois qu'elles sont bien déplumées, dépoilées, dépilées. J'ai fait le petit chemin qui rejoint donc à cet endroit là et puis là bas on verra, ça sera une autre histoire. Alors donc par contre pour l'instant le quartier des tanneurs s'améliore un petit peu, mais donc j'ai fait un petit endroit ici, et je me suis dit ça serait quand même logique, à cet endroit-là, d'avoir quand même un petit abri. Hein. Les tanneurs, faut bien qu'ils dorment quelque part. Donc du coup, j'ai terrassé un tout petit peu à cet endroit-là. Et donc on va leur faire un abri, hein, donc comme on peut pas dire que ça soit vraiment une maison, mais bon, allez, un truc qui ressemble un petit peu. Donc on va pas faire trop grand, hein, le but, voilà, déjà si, là par contre il faut protéger, histoire qu'ils aient pas de la terre qui leur tombe sur la goule, je crois qu'ils seraient pas très contents, voilà, ici comme ça, et j'en ai plus, crotte de biche, bon, quand il y en a encore, hein, bien sûr, ah c'est pas évident, si, je crois qu'il m'en reste encore un petit peu, de stone brick, tiens, de la pierre taillée, on va prendre là. La roche, je pense que j'en avais. Vous vous rendez compte, j'étais obligé d'aller en miner. Parce que normalement, il y a soit Storke, soit Aeron. Bon, ils ont toujours les shulkers sur eux. Sauf que là,
Il y a ni l'un ni l'autre et du coup j'ai plus de shulker de il y a plus de shulker de stone et tout donc j'étais obligé de retourner en miner moi-même comme d'habitude. Alors attendez là j'aime bien un truc c'est faire croire ah bah non j'ai ah bah non bon bah tant pis alors c'est pas grave hop 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 on va faire un mur un peu tout droit ici on va le continuer au moins jusqu'à cette hauteur là. Ouais, c'est pas mal, là, on va tricher un petit peu, là, sur ce truc-là, et on va arriver, sur quel pilier on va arriver? Ah, Côte de Bic, on va arriver là. Ah, c'est embêtant, ça, c'était pas prévu. Oh, attendez, on va ruser. De toute façon, il n'y a rien dans les trucs, c'est des coffres de décoration, là. Donc, en fait, ce qu'on va faire, ça, ici, on va faire, hop, un petit tronc comme ça, tchic, tchic, tchic. Voilà, ça sera le haut, ici, pour recueillir. Comment est-ce qu'on fait le toit? Est-ce qu'on fait un toit tout simple, comme ça? Ouais, alors du coup, je vais enlever celui-là, je vais mettre plutôt le tronc qui dépasse comme ça, j'aime bien le concept. Voilà, ça c'est bien. Bon, du coup, on va avoir un autre tronc qui va repartir dans ce sens-là. D'ailleurs, lui, on peut le faire dépasser un petit peu. Voilà, puis ça fait un petit abri, ça fera bien l'affaire. Hop, comme ça, tout simple. On va faire un tout petit toit, un tout petit toit en bois. Est-ce qu'on fait un truc plat? Oui, on va pas s'embêter, ça sert à rien des fois de faire des trucs trop compliqués. Normalement je fais des toits en bois foncé mais je suis pas sûr qu'il m'en reste. Bon je vais faire un toit simple hein, en bois foncé et en dalle. Donc un toit tout simple. Ah s'il m'en reste un petit peu. Donc, du coup on va faire ça, tac tac tac, ici. Donc on va mettre quelques dallounettes. Oh, on va le faire ensemble, je crois qu'on a le temps, on a le temps sur l'épisode, on est tranquille. Je sais pas trop tout ce que j'ai filmé ou pas. Mais vous savez, ça prend du temps de faire des petits trucs comme ça. Tout simple, mais ça se fait pas tout seul quand même. Allez, on va le faire dépasser de ce côté-là parce qu'on est des fous. Là aussi, voilà, ça va dépasser comme ça. Et hop, 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 comme ça. Voilà, très bien. Tout long, donc un petit toit tout simple. Je vais peut-être rajouter au centre une couche, histoire de dire, bon, on va voir, que ça soit un tout petit peu plus haut. Ouais, bon, on va voir. Déjà, on fait comme ça, normal. Pom, 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 on pose nos petits blocs. Dans la joie et la belle humeur. Ouais. Oh, bah voilà, je vous l'avais dit, hein, je vous montais pas sur ce serveur. C'est un truc de malade. Ah si, non, en fait, il faut que je fasse un toit. On va laisser deux comme ça, et puis pan. On va rajouter une épaisseur juste là. C'est incroyable. Il pleut, je vous jure qu'il pleut plus sur ce serveur que sur les cubes. C'est n'importe quoi. c'est un truc de dingue. Là, on va mettre tiens, un petit truc comme ça, parce que ça sert à rien. Avec une petite torche au-dessus. Non, je vais la mettre là, la torche, à côté. Et voilà, c'est bien. Là, on a notre protection parce qu'il y en a marre de la pluie, les amis. Oh, bah quand même, on est mieux là, dis donc. Voilà, un petit abri tout simple. Hein. En pierre comme ça. On peut même rajouter, hein, si on veut, ici, avec un petit peu de bois qu'on va rajouter comme ça. Voilà, c'est juste histoire de meubler. Hein. On va faire un truc, un bout par là, un autre bout par ici. On peut rajouter, tiens, le petit coffre de tout à l'heure. Voilà, à côté du lit de Stone. On peut lui faire éventuellement un truc de rangement entre deux troncs, comme ça. Tac, un genre d'armoire, ouais, comme ça, tout simple. Tout simple, hein, des fois, faut pas faire grand-chose hein, pour que ça soit joli. Là, il y avait une grille de l'autre côté, bah, il l'a rangée contre. Hein, donc, je sais que la fenêtre, elle sert pas des masses, mais c'est pas grave, ça fait joli. Ça rajoute des petits trucs comme ça. Et puis, ma foi, ça, c'est dans le mur, mais on peut lui rajouter un bout comme ça qui dépasse. J'aime bien le principe. Et puis, bah voilà, un petit abri tout simple. Est-ce que je rajouterai pas encore autre chose? Peut-être ici, un tout petit truc. Allez, tout petit, on va faire un tout petit truc juste là. Vite fait, bien fait, les amis. Avec un petit peu de laine, tiens, ça va changer. Et puis, de la terre battue. Donc, s'ils sont pas tous riches, hein. Oh, 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 oh. Alors du coup les amis, regardez un petit peu, il y a un petit traîneau qui est en train de se promener. Alors les rennes ils sont rigolos, je sais pas c'est qui a fait ça, mais c'est vrai qu'on approche de Noël hein, bientôt, et bon même si l'actualité n'est pas forcément toujours très drôle,
n'oublions pas cette période de fête, et donc une période qui est censée quand même être bien heureuse, hein, bien sûr. Alors du coup, petite promenade, on élitera au-dessus du dernier quartier qu'on vient de terminer, les amis. Alors tiens, si ça me fait comme sur les cubes et que mes élytras se déclenchent pas. Attendez, je dis pas de bêtises. Oh, si, je les aime, mes élytras. Par contre, j'ai plus de fusée, crotte de biche. Bon, c'est pas grave. Alors, du coup, petit village de pêcheurs de compte qu'on avait fini la dernière fois. Et donc, on peut se retrouver comme ça sur le petit chemin qui sent la noisette. Avec les petits oiseaux qui se promènent, les moutons qui bêlent et les zombies qui font peur. Oh, what? Alors du coup, nous voici arrivés, enfin, et pour une fois qu'il pleut pas, dis donc, dans notre petit quartier des tanneurs. Oh, je peux vous dire que ça sent, hein. Si un jour vous allez dans un quartier de tanneurs en activité, vous allez comprendre ce que je veux dire, parce que je peux vous dire que c'est une odeur épouvantable. De toute façon, ils récupéraient déjà les peaux sur des animaux, donc au boucher du coin, donc des peaux, il y avait encore à moitié des poils, de la viande, et tout ce que vous voulez dessus. Je sais que c'est pas très ragoûtant, mais c'était pourtant le cas. Dans ce petit quartier des tanneurs, qui sent pas la noisette. Voilà. Donc j'espère que ce petit épisode vous aura bien plu, les amis. Hein. Donc immersion, ce meuble, petit à petit, de plein de petits quartiers différents. Écoutez, quant à moi, je vais me retourner. On se verra, vous allez voir. Ouais, il est beau, Coco, avec sa petite armure en diamant. Oh là là. C'est normal, j'ai mes élytres. Donc je vous fais à tous des super gros bisous, prenez bien soin de vous les amis, et rendez-vous sur deux prochaines aventures d'immersion. Pompompom, bisous.